J'ai commencé à chercher mon alternance sur des sites spécialisés. Je suis tombée sur l'annonce de Testia. Au début, je ne comprenais pas trop ce que c'était que le cœur d'activité de l'entreprise, mais il y a quand même deux mots qui m'ont attirée, c'est filiale d'Airbus. Ça fait quand même pas mal sur le CV. J'ai postulé, j'ai passé un premier entretien téléphonique. J'ai appris que ma tutrice était espagnole, que mon chargé de com externe est allemand et que le chef de tout ce service marketing et communication est mexicain. Du coup, je parle anglais et espagnol tous les jours et ça, c'est vraiment super, c'est mon rêve. Tout d'abord, le welcome on board qui occupe une bonne partie de mon temps, c'est un interview des nouvelles arrivées à Testia tous les mois. C'est hyper intéressant parce qu'on apprend à en connaître sur les gens et on découvre des choses super sympas sur les nouvelles arrivées. Chez Testia, une de mes plus grandes missions, c'est l'organisation d'événements. Sur Toulouse, on organise au moins un événement par mois, mais notre défi, c'est de pouvoir harmoniser tout ça au niveau international, puisqu'on est présent sur 7 pays et 3 continents. Après, derrière tout ça, il y a un vrai défi, les habitudes culturelles, le décalage horaire, les effectifs aussi qui diffèrent. C'est pas toujours facile, mais c'est super challengeant. Si je dois retenir un projet, ce serait l'inauguration des nouveaux locaux. On a décidé de le faire en 3 temps. Un premier événement pour les collaborateurs, ensuite un événement pour le top management d'Airbus et les gros clients, et enfin un événement pour les partenaires et les fournisseurs.